Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit bug. Donc on va l'appeler le bug de l'arbre. Moi, je l'appelle le bug de l'arbre. Bon, donc je sais pas s'il y a d'autres youtubeurs qui l'ont mis sur leur chaîne YouTube. En tout cas, j'ai regardé, j'ai pas trouvé. Donc voilà, je vais vous le présenter. Attendez, je sais pas par contre si je suis en mode passif ou pas. Non, je suis pas en mode passif, donc il faut que je fasse attention de pas me faire tuer avant de rentrer dedans. Et voilà, donc il se situe ici, donc à côté de la maison à Michael qui se trouve là et du garage à 500 000 qui se trouve là. Donc voilà, attendez, je vais y rentrer dedans déjà pour me mettre en sécurité. Donc il est très simple. Merde, à chaque fois je fais la même erreur. Donc je vais vous expliquer comment je l'ai trouvé ce bug. En fait, j'avais envie de jouer à l'appeler et je savais pas quoi faire. Donc j'ai rejoint une session publique sur GTA. Et donc je voulais me balader en mode libre et j'ai vu que quelqu'un avait une prime, un joueur avait une prime. Donc je l'ai rejoint et il se trouvait en fait, il se trouvait au même endroit, à l'endroit où je suis. Il n'est pas rentré dedans. Il se trouvait au même endroit que je suis et donc il avait une prime. Donc je suis allé vers lui comme ça, j'arrive à fond en voiture devant lui, boum, il me tue. Deuxième fois j'essaye de le sniper, je le vois pas, boum, il me tue. Je me dis mais où est-ce qu'il peut être? Et ben, j'ai vu en fait, à un moment je me suis aperçu qu'il était dans l'arbre. Donc je me suis mis en mode passif. Et après je suis rentré dans l'arbre avec lui et j'ai su qu'il était dedans. Donc voilà. Donc je l'ai trouvé comme ça ce bug. Hein. Bon, je l'ai pas trouvé tout seul, mais un peu quand même, parce que j'ai pas regardé d'autres youtubeurs. En tout cas, j'ai pas vu que d'autres youtubeurs l'avaient fait. Par contre, vous êtes pas totalement. Voilà. On peut même. Putain, j'arrive pas à parler. Vous êtes pas totalement invincible dans ce bug, parce que si on vous lance un missile ou un roquette, vous pouvez mourir. Mais par contre, regardez les flics, je vais vous le montrer. Ok, trace sa route, lui s'en fout. Là-bas. Les flics peuvent vous tuer par contre. Mais par contre, si l'autre là-bas, il lance un coup de roquette, il peut me tuer. Non, je sais pas où il est. Ah non, il est mort. Voilà, alors attendez, regarde, je vous montre déjà les flics. Regardez. Hein. Bon, apparemment, ils veulent pas de moi. Mais je vais le tuer. Après, je vous expliquerai comment on fait pour. Voilà, donc ça, c'est un joueur. Ah ouais. Voilà, lui, je le tue. J'attends que les flics un peu viennent devant moi. Regardez, lui, il essaie de me viser. Donc, normalement, il va essayer de me tirer dessus. Non, il n'est pas en courant. Ok, d'accord. Voilà, on m'a lancé un roquette, je suis mort. Donc on n'est pas totalement invincible, mais lui il a été intelligent, il a compris comment faire pour me tuer. Donc attendez, je vais mettre en mode passif pour pas qu'on me. Pas qu'on tue. Alors, activer mode passif. Il est où maintenant? Il est où? Il est où? Il est là. Écoutez. Putain, je suis loin. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour. Pour entrer à l'intérieur, bon c'est très simple, hein. Vous vous approchez de l'arbre, vous appuyez sur carré. Bon, je vais vous montrer, ça va être mieux. Merde, j'ai les flics. Lester, on va appeler Lester. Bon, vous approchez de l'arbre, vous appuyez sur carré pour comme si vous grimpez en fait. Et normalement après, bah, vous êtes dans l'arbre. Par contre, à un moment, ça va vous diriger vers la sortie, donc il va falloir appuyer sur... Enfin, il va falloir vous mettre en vue FPS. Il va falloir vous mettre en FPS après pour mieux vous placer, pour tirer c'est largement mieux. Donc voilà, vous vous mettez environ à cet endroit là, donc vous essayez de trouver, vous appuyez sur carré, moi je fais que voilà, c'est là, là je touche à rien, ah je suis sorti. Donc attendez, je vais refaire, je sais pas s'il marche en mode histoire aussi, moi je l'ai essayé que en online, et là je suis à l'extérieur, mon personnage il sort tout seul à chaque fois. Vous mettez attendez, là. Voilà. Mais pourquoi il sort? Je le comprends pas. Je sais pas ce qu'il fait. Bon. Je sais pas pourquoi là j'y arrive pas. Comme par hasard quand je veux vous montrer. Donc là je touche pas au joystick. Mais pourquoi il sort? Bon. On va essayer une dernière fois. Bon, mais là j'arrive pas à rentrer dedans, donc au pire je pense que vous avez compris. Et hey, c'est en train de me troller. Comme par hasard, quand je fais une vidéo. Mais il est encore sorti ce con. Je rentre.
FPS. Ah, voilà. On y est. Voilà, vous pouvez voir. Mais. Bon, je comprends pas pourquoi en fait. Mais. Bon, bref, voilà. Je sais pas pourquoi, donc. Bon, je pense que vous avez compris. Enfin, j'espère. Si vous avez pas compris, dites-moi dans les commentaires. Je referai une vidéo sur ce bug. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner bien sûr aussi, à partager, à commenter. Et voilà, donc moi je vous laisse sur ce. Je vous dis à la prochaine. Peace!